Salut. Ça va, Bribri? Sacré temps pluvieux, hein, nous remarquons une dépression venant de l'ouest, issue de l'anticyclone des Açores. Voilà. Ce temps nous fait yèche. Ouais, bien sûr. Bon, je remets mes lunettes de soleil, parce que là, le soleil me tue les yeux. Voilà, et puis elle n'est pas droite. Bon, ben ouais, ça va tranquille, Brubri, hein? À défaut de faire des cours en extérieur, on revient dans la véranda. Ça va, Evelyne? Et Pierrot? On va y arriver à se revoir ou c'est vraiment que... On doit vivre chacun chez soi et puis c'est fini. Putain, mais Bribri, il faut changer de... Qui c'est Internet chez vous, là? Déménage, c'est pas possible. Il y a une adhérente, elle a pas eu Internet pendant tout le confinement. Ça, ça c'est ballot, hein. Dominique, bonjour. Ça va, Pierrot? Bon, t'as fait la liste de tous les concerts que tu dois rattraper cette année? Orange, mais de toute façon, je pense que tu serais CFR ou Free, ce serait pareil, non, Bribri? À mon avis, il y a un problème de câble. T'as pété un câble, quoi. Bon, donc gym du dos aujourd'hui, bien sûr. On se le fait en live parce que le temps ne veut pas qu'on sorte. Enfin, on aurait pu, mais c'est vraiment qu'on s'est limite là. Et coucou Dominique. Attends, je remets droit. Hop, voilà. C'est un peu mieux. Donc gym du dos, comme d'hab, hein. Vous avez besoin de votre tapis, pas besoin de chaussures. Vous mettez à l'aise, vous prenez votre moment pour vous. S'il faut un coussin pour la tête, s'il faut un coussin pour les... Que dire ? Pour le bas du dos, voilà, si vous êtes assis par terre, que c'est compliqué, n'hésitez pas. Préparez tout, la bouteille d'eau, le défibrillateur, voilà, préparez tout. Les vitamines. Oh, Laurence, bonjour. Marie-Françoise, bonjour. C'est bien que vous soyez là, c'est bien. On garde un peu le lien comme ça. Voilà, hein, on va se travailler un peu tout aujourd'hui. On va travailler un peu les cuisses aussi pour les renforcer. Ma foi, on en a besoin pour soulager le dos, d'avoir des bonnes cuisses, des bonnes bases. Travailler les appuis du pied aussi, le faire un petit peu. Donc il y aura un peu d'équilibre. Si vous avez besoin d'une chaise ou mettre un truc pas loin pour vous tenir, franchement, n'hésitez pas, préparez tout à l'avance. Il n'y a pas beaucoup d'équilibre, mais au moins on est tranquille. Ah, Suzelle m'envoie un message, c'est qu'elle n'arrive pas à se connecter. On va voir si elle y arrive. Ah ben si, c'est bon, elle doit être là. Alors Suzelle, je t'ai pas vu. Je t'ai pas vu arriver. Bon. C'est marrant parce qu'elle m'écrit sur un autre truc et elle n'est pas marquée là. Bon bref. Allez, on y va, c'est parti. Allez, vos chaussures. Je garde un peu les lunettes de soleil parce que ce soleil ça m'agresse. Ça m'engraisse aussi. Je peux reculer encore, non? Attends, où je suis? Ah bon, c'est bon, Suzelle, ça va. C'est rigolo, t'es pas marqué, mais tu me dis que t'es là, mais c'est rigolo. T'es incognito, tu es la femme invisible. Bon, nous y allons. Donc bonjour, bienvenue à tous, même ceux qui sont en replay. Salut Nicole. Oui, c'est ça, hein, Nicole? Oui, c'est bon. Un reste de plume. Grand déguisement. Allez, on y va, c'est parti. On essaie d'avoir les pieds parallèles, largeur de hanche. Et on va tout simplement changer les appuis, partir sur l'avant, partir sur l'arrière des pieds. Essayez tranquillement
de sentir ce travail des appuis, des orteils, des muscles, des plantes de pied, votre voûte plantaire, qui n'est pas quelque chose de fixe, surtout pas. Et on va tourner dans un sens. Tournez à partir des pieds, hein. Ne tournez pas à partir du bassin. La Suze. Et on change de sens. On en profite pour se grandir. Restez bien sûr gainé. Si vous ne l'avez pas fait, on va commencer à y penser. On reste. Soulève que les pointes. On met les pieds flex, mais c'est dur au sol. Et repose. Essaie d'étaler tes orteils au sol, d'allonger vraiment ton pied. Soulève les orteils et reétale. Musculation des pieds, du dessus et du dessous des pieds. Donc je soulève les orteils, je repose. Je soulève, je repose. On pourrait même, mais un chaussette c'est pas évident, essayer de décoller, hop, d'abord les gros, les deuxièmes, les troisièmes orteils, quatrième, cinquième, et après redescendre. Si vous y arrivez, vous pouvez vous entraîner à ça un peu comme un pianiste. Décoller l'intérieur des pieds, des orteils, les orteils les plus extérieurs et reposer l'extérieur, intérieur. Possible aussi. Voilà, quand vous sentez que vous avez bien étalé vos orteils, vous restez. Vous ouvrez poitrine. Vous grandissez, vous cherchez vraiment à espacer chaque côte sans pincer vos vertèbres derrière. Hein. Sommet du crâne tiré vers le haut, auto-grandissement, c'est déjà un échauffement parce qu'il y a des muscles pour vous amener dans cette position. Vos épaules partent en avant, puis en arrière, on voûte le haut du dos, ou au contraire, on ouvre la cage. Gardez vos appuis dans le sol sans trop griffer, sans fermer vos orteils, et vous essayez de respirer. Inspirez, ouvrez, soufflez, refermez. La tête est haute, tirez vers le haut. Qui c'est qui arrive ? Marilyn ! Gardez les épaules là où elles sont le plus larges. Pas là où elles sont le plus en arrière, mais là où elles sont le plus larges. Laissez tête aller de côté, mâchoire entrouverte. En haut en bas, on dit oui. Attention quand vous montez, essayez de ne pas pincer forcément vos cervicales. La poule ou la tête avance, la tête recule avec les épaules fixes. Gardez la tête en léger retrait, toujours bien sûr, avec le cou qui cherche à aller vers le haut. Inspirez, levez les bras en gardant l'épaule large. Soufflez, redescendez en gardant l'épaule large. Donc le dos est actif. On a toujours cette contrariété de lever bras, les deux, hein, de lever bras, mais avec l'épaule qui tire vers le bas. C'est un peu contradictoire. On en fait encore un. En activant les abdos, la taille, le nombril rentré et le périnée qui périne. Et ici. Inspire, relève le bras à côté, souffle, enroule un peu le haut du dos pour laisser passer, laisser balancer. Le bassin peut être un peu bougé, mais évitez les rotations au niveau du... Si vous rentrez vos genoux ou vos pieds, c'est que vous êtes allé trop loin ou que c'est pas assez fixé. Encore deux. Encore une. Et on reste. On gaine. Main aux oreilles. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Bascule du bassin. Rentrez sur fessier. J'enlève les lunettes. Je crois que ça me va pas, les lunettes. Ça me va pas du tout. Allez, bascule le bassin tranquille. Gardez bien les pieds étalés dans le sol. Et vous allez garder ici les fessiers rentrés. Bas du dos aplati.
On essaie d'effacer la lordose, le creux lombaire. On plie un peu plus les jambes en gardant le dos vertical. On laisse avancer les genoux, on laisse les talons au sol. On rentre par les genoux. C'est bon. On ouvre toujours poitrine et on pousse tête en haut. Ici, bras le long du corps. Ah, on est parti. Ah, ben non, c'est squat. Les genoux n'avancent pas. Cette fois, c'est votre bassin qui force, qui pousse vers l'arrière et votre buste qui se penche en avant. Mains sur les cuisses, si c'est difficile, bras le long du corps, si tout va bien. Serrez bien les abdos. Encore un. On va rester légèrement plié, vous voyez, très légère flexion, mains sur les cuisses, j'ouvre aux poitrines et on retravaille les appuis, ça va chauffer dans les cuisses. Je pars sur l'extérieur d'un pied, presque je décolle le pied opposé en entier, j'ai au moins décollé talon. Je reviens, je change. Là, c'est faire confiance à ses appuis et essayer, quitte à fermer les yeux, de se concentrer pour sentir ce qui se passe dans vos pieds. Dans votre dos, dans vos cuisses, vos abdos, il se passe des choses, mais pensez à vos pieds. Où se répartit le poids? Comment je fais? Est-ce qu'il y a des compensations qui se font? Est-ce qu'il y a un côté où je suis beaucoup plus à l'aise et il y a un pied qui galère? Est-ce que j'ai peut-être des soucis il faudrait que je travaille un peu mes appuis? Ou que je me passe une balle sous le pied là, pour masser de temps en temps le pied, pour le détendre? Encore un dernier de chaque côté. Et on restera équilibré. Sentez-le, hein. Droite-gauche, on est équilibré. Poids du corps qui est quand même assez sur l'arrière des pieds, sur les talons. Et on est parti avec légère flexion donc. Inspire, relève bras côté, bras souple. Et souffle, revient. C'est l'oiseau. The bird. Allez, inspire, relève, souffle, revient. Les épaules restent basses et fixées un peu en arrière. Il n'en reste plus que deux. On tirera bras vers le haut, on redresse le buste, on garde les mêmes appuis au niveau des pieds. On grandit, on allonge, on baisse bien les épaules. Tout va bien. Tout va bien. Nous revenons. Un peu d'équilibre. Ah, fort bien. Nous en avons tous besoin. Ventre serré, donc on se tient hein, s'il faut. Hein. On se tient une chaise ou un meuble. On gaine, on grandit, ça c'est obligatoire. Est-ce qu'on verrouille les jambes? Non, on les assouplit. Ici, tout simple. On tente. En alternant les côtés, alors je vous conseille de partir pieds serrés. Vous aurez moins de balancer possible. Vous allez lever une jambe puis l'autre. Sans compenser niveau bassin, ni niveau buste, ni niveau rien. On ne compense pas. Ça, c'est la version facile. On est au mois de mai quand même, on y arrive maintenant. Quoique l'équilibre, c'est dur de progresser, c'est dur, c'est dur, c'est dur. On va essayer, en plus de lever la jambe, le genou aérien. Ok, il ne se passe rien pour lui de plus, mais vous poussez, vous montez sur demi-pointe au niveau du pied d'appui. Donc quand je lève ma jambe, l'autre, le pied d'appui, vous décollez talon. Après, si vous êtes très à l'aise et qu'il n'y a rien de dangereux autour de vous, vous pouvez fermer les yeux. Ne tombez pas, hein. Je ne peux pas vous ramasser là. Encore deux. Sentez bien l'appui, hein. C'est le pied qui travaille, ça faut le sentir. Les deux pieds en même temps, on ne va pas lever de jambes bien sûr. Lève bras, lève talon en soufflant, reviens, inspire. Lève bras, lève talon en même temps, reviens, inspire. Toujours gainé. C'est jolie cette version. Hein? J'espère que vous entendez bien la musique. Encore deux.
on est penché dos plat et dos neutre. Épaules loin des oreilles. J'auto-grandis mon buste. Je pousse la tête en avant. Si j'y pense, si j'y arrive, je tire le bassin en arrière. Et l'appui de mes mains, je vous le fais souvent, vous pouvez le faire chez vous souvent, l'appui de mes mains me permet d'auto-grandir, de décompresser la colonne. C'est très important de décompresser la colonne. Et on gagne, et on gagne, on serre les abdos. Toujours, toujours, toujours. On essaie de le faire encore 4. À l'aide du souffle, je vais de plus en plus loin. Encore 3. Encore 2. Encore 1. On relâche un peu vers le sol ou moins bas si on n'y arrive pas, mais on plie les jambes. En plus d'être arrondi et les mains au sol, balancez un peu les bras droite à gauche en contrôlant sans douleur. Voilà les doigts qui fleurent le sol, clac, clac, je balance, clouc, clouc, je reviens encore une ou deux fois. Et on met les mains sur les cuisses, on déroule le dos du bas vers le haut. Oh. On écarte un peu les pieds avec les mains qui sont arrivées aux oreilles, sont arrivées à destination. Nous ouvrons un peu les pointes de pied en canard, très léger. On est à 11h05, hein, même pas. Bon, il est 10h15, mais bon, c'est pas grave. On gaine. Toujours squat sans avancer les genoux ni les rentrer. Souffle, descend, remonte, inspire. Mais on va pas faire n'importe quoi. On va opposer. Quand on remonte, on va opposer la tête qui est tirée vers le haut, parce qu'on en a décidé ainsi, des talons qui poussent dans le sol pour engager plus l'arrière des cuisses. L'avant travaille, mais l'arrière et les fessiers, l'arrière des cuisses et les fessiers vont être engagés si je pousse les talons et que je prends mon temps. Plus l'opposition pour engager tous les muscles paravertébraux. Donc là, vous avez toute une chaîne postérieure commence à être engagé jusqu'à la nuque. Des talons jusqu'à la nuque. Restez fort en profondeur. Allez, Sébrine, je sais pas si tu fais le cours ou si juste tu passes. Mais on grandit, on allonge, on grandit, on allonge, il en reste deux. On ne va pas rentrer les genoux. Des fois, on pousse tellement les talons qu'on force vers l'intérieur parce que c'est plus stable et plus facile. Mais il faut éviter. Adieu, Berthe. Vous allez rester plié. À mi-chemin. Vous commencez une descente, vous ne la finissez pas. Mi-chemin. Là, vous me poussez les talons dans le sol. Vous gardez les orteils comme on a vu au tout début du cours. Étalés dans le sol. Pas griffés. Étalés. Long. On a la tête haute. Les mains sont juste un repère. Mes épaules sont basses. Mes coudes sont ouverts. Ma tête monte, c'est la fête au village. Encore 4. Pousse, pousse les talons. Encore 3, les deux. Hein. Encore 2. Allez, serre-moi ces abdos. Encore 1. On revient. On détend. On picole. On s'en sait faire. Franchement, picoler, c'est notre truc. On a eu 2 mois pour s'entraîner. Presque 2 mois, on nous confinait là. C'est le mois anniversaire. Presque. Allez, on y est. Toujours équilibre, parce que l'équilibre fait partie aussi de notre équilibre du dos, notre équilibre du corps, travail de la cuisse. En même temps qu'on travaillera à l'équilibre, on pensera bien sûr à la posture, à la tenue du dos et du bassin. Tenez-vous s'il faut. Hein. On va lever la jambe qu'on veut. Vous la balancez, mais de manière assez lente, contrôlez l'amplitude que vous pouvez. Parce que vous comprenez peut-être que si vous allez loin derrière, on risque de cambrer. On veut essayer de garder le dos droit comme si on avait un livre sur la tête. Certaines ne peuvent pas aller en arrière, ça pince trop, ça fait mal. Certaines peuvent aller jusque là où vous pouvez aller. Il faut que le corps aille dans tout. Toute sa mobilité, toute son amplitude possible. Vous garderez la jambe devant. Flex. Et on ouvre. Pointe de pied, genou. Donc on met la jambe en dehors. On se tient vraiment s'il faut. On se grandit sans tendre la jambe d'appui. À partir du bassin,
J'allège tout l'espace entre chaque colonne, chaque vertèbre. J'ouvre ma cage. Je pousse, si je peux, les paumes de main vers l'extérieur avec les bras tendus, poignets cassés, doigts tendus. C'est la fête au village. Deux fois que je dis, il faut vraiment que je réécoute l'album des musclés. Encore quatre, la tête monte. Encore trois, le ventre s'affine. Encore deux, le périnée remonte. Fermez la bouche, sinon le périnée pourrait s'échapper. Encore une, on relâche, on détend. Tout va bien. Si ça va pas, vous m'écrivez. Ça va pas. On gaine. On fait la même chose de l'autre côté. On se tient ou pas. Et on balance lent, contrôlé, à l'écoute de son corps si ça fait mal. Jambes d'appui souple. Le livre sur la tête, un livre imaginaire. Dernier, on va rester devant, tendu, flex, en dehors, dévissé d'un quart de tour votre hanche, ou plus, si vous y arrivez. Grandi, sans tendre jambe d'appui. Pouce sur côté, poignet cassé, doigt tendu. Fixe épaule basse pendant que la tête monte, on a la sensation que le cou lui aussi décompresse. La décompression. Eh, mon gueule. Et t'y continues. T'y continues. Encore le 4. Encore 3, encore 2, encore 1, on relâche. Let it be, ça c'est bon ça, let it be. On est là, on revient sur les cuisses, on a travaillé l'équilibre, travaillé du pied, des pieds, les appuis, bras devant pour finir sur les exos debout. Mobilité, renforcement des cuisses. Ventre serré, tête qui tire en haut. Descends encore en squat, parce que c'est comme ça qu'on devrait descendre, comme ça ou en fente. Et remonte, inspire en poussant toujours tête en haut. Et en poussant talon dans le sol quand vous remontez. On l'a vu avant. Deux. Dernière. Reste à mi-chemin. On se met des petites rotations. Clac. Je tourne la ligne d'épaule, pas mon bassin. Je reste pivoté du côté d'une jambe. J'ai une main sur la fesse ou dans le dos. L'autre main extérieure de cuisse sans pousser vers l'intérieur. Genou au-dessus des pieds. Change côté. Grandis, allonge le buste, allonge la taille, affine-la. Et reviens face, tire en haut. Reste grand, les épaules basses, pivote, sans pivoter bassin, reste d'un côté. Si vous n'aimez pas les rotations, aïe aïe aïe. Puis change. Reviens, rebelote, redescends squat, lâchez pas le périnée. Restez. Repivoter, rester la main dans le dos, mine de rien, ou sur le fessier, ça aide à redresser, à soulager. Changer côté. Hop, reviens face, tire en haut, grandis, 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 sans tendre jambes. Pivote d'un côté, reste, le bassin reste orienté comme vos pieds. Donc vers l'avant. Grandis, allonge, allonge, allonge. Hop, 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 on change. Souvent tendance à tourner le bassin, mais essayez au moins de vous dire, si c'est pas parfait, on rectifie, on essaie de pas se laisser aller. Je sais qu'il n'y a pas de miroir ou pas de prof pour vous corriger. Et reviens, relâche. Petit dos rond, on gagne toujours. Hein. Petit dos rond, épaule basse pour se détendre le dos. J'espère que ça vous détend. Si ça ne vous détend pas, vous pouvez détendre bien sûr d'une autre manière, je ne vous interdis pas. Le jour où j'interdis, je vous appelle. Je vous
pouvez relâcher, vous détendre. Détendez-vous, faites comme chez vous. Nous passons assis. Ah. On est bien assis. Hein. Pas vrai, Brubri? On est bien assis. Toujours pas de blague, Brubri? On avait lancé une mode, mais voilà, du coup, on est coupé dans les langues des blagues là. Ça, c'est beau aussi, ça. Les pieds sont à plat. Le dos est redressé. Donc, l'appui des mains, vous êtes à redresser, vous tous. Vous le savez, on part de l'appui des fesses, on grandit, on allonge chaque étage vertébral pour aller vers le haut. Épaules basses. On va volontairement pousser. Alors, il faut serrer périnée et sphincter. Hein. Mais on va pousser plus fort les talons dans le sol. Et même les pieds. Je ne veux pas avoir de pieds en l'air. Les pieds à plat. Si vous poussez les talons, vous manquerez de force au niveau de l'avant des pieds, au niveau des orteils. Mais pensez-y, essayez de les appuyer. Mais poussez fort les talons dans le sol. Essayez de sentir ce qui se passe dans votre socle. La base de votre colonne, le bassin, intérieurement et au niveau articulaire. Et poussez fort les pieds dans le sol. Les mains sont juste là pour nous aider si besoin. Si vous êtes à l'aise, mettez les bras devant et poussez les pieds dans le sol. Gardez-les à plat, poussez-les. Grandissez. C'est dur. Encore 4. Grandissez, 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 grandissez. Encore 3. Encore 2. Encore 1. On relâche. Tendez une jambe devant, la droite. Votre jambe gauche. Reste là. Pliée, mais ouverte. Ah, mince. Ça ne va pas être évident, vous allez voir. Grandis le buste. Il faut absolument que vous ayez conscience que votre bassin, votre fort à l'intérieur est redressé. On essaiera d'aller chercher le pied. Si on ne l'a pas, qu'on arrondit le dos, on va chercher la chaussette ou le tibia sphérable. L'autre main, extérieur du genou, buste droit. Et vous allez pousser la jambe contre la main. La main résiste. Donc le genou pousse à l'extérieur, la main résiste. Nous, on essaie d'aller vers l'avant, si on y arrive, c'est bien, ça nous aide à nous redresser. S'il faut plier, tant pis la jambe, alors, on peut faire ça, ça vous aidera aussi. Et donc, c'est parti pour une vingtaine de secondes où on grandit, on pousse les deux os des fessiers, et l'un qui pousse plus que l'autre, on pousse les ischions pour avoir la tête haute. On pousse le genou contre la main résiste. C'est en profondeur, niveau taille, niveau bassin, niveau abdos profond, ça travaille beaucoup, 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 beaucoup. Vous sentez plus l'épaule ou la cuisse avant, c'est qu'il y a un souci. Grandissez, mettez en place votre conscience, sensation profonde, grandeur, placement du bassin, encore 4, serrage abdominal, encore 3, plancher pelvien bien serré, encore 2, encore 1, on relâche. On détend un peu, changez côté. La jambe en l'axe, elle est dans l'axe, la gauche, pied flex, s'il faut plier, on plie. Celle qui est pliée, vous redressez bien votre dos d'abord, et après vous l'ouvrez. Je parle de votre jambe. Main à l'extérieur du genou. J'essaie avant de pousser ou quoi que ce soit, de placer ma main sur pied, quitte à plier jambe, et redresser le dos. C'est comme si on vous met la main dans le bas du dos pour vous redresser. Oui. Épaule basse. Tête, bien sûr, regardez l'avant l'axe. Hein. Bon, des fois, je regarde plus vous pour voir si on est toujours en live. Mais essayez de garder la tête dans l'axe, c'est-à-dire entre la ligne de vos épaules. Et vous poussez donc genou contre main. La main résiste, le pied reste à plat. Et on grandit, on grandit. On étire une cuisse, un arrière de cuisse, pendant que l'autre travaille, pendant que le centre du corps est activé. Et allonge, 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 sans monter épaule. Allez, on affine la taille, on serre les abdos. Encore 4.
encore deux. Encore l'une. On relâche. Ok, très bien, parfait. Un petit tour en tailleur. N'allez pas dans votre dressing, cherchez dans la garde-robe. On est ici en tailleur. Oui, n'hésitez pas à surélever si c'est trop dur, mettre un coussin ou une serviette couverture sous les fessiers. Tailleur bien serré, clac, je redresse le buste. Intéressant le tailleur pour les hanches. Donc on ouvre poitrine, on baisse épaule, tout va bien. On va essayer, c'est dur. Ou les mains au sol si on sent que mon dos ne tiendra pas, c'est trop compliqué pour lui, ça demande trop d'efforts. Si c'est trop dur, mettez les mains au sol pour contrôler et pour vous aider à pousser, parce qu'on va se pencher en avant. Sinon, vous mettez les bras sur le côté, plutôt pointe de main vers l'arrière. J'ouvre un peu plus poitrine, du coup c'est un peu plus dur, c'est moins naturel. Dans les deux cas, vous allez vous pencher en avant, le dos le plus plat possible. Si j'ai l'appui des mains, ça fait moins mal. Si j'ai les bras levés, mais écartés très près du sol, j'ai un peu plus d'activation et de renforcement dans mon dos. Ma tête n'avance pas toute seule, elle suit le buste, elle reste dans l'alignement de la colonne. Je ne suis pas contracté à l'avant du cou, je ne suis pas plissé dans la nuque. Je tire mes bras un peu plus en arrière, je penche un peu plus en avant. Je bombe le torse, je sors les fesses, sors les fesses, sors les fesses, sors les fesses. Dos plat, le plus plat possible. C'est pas peut-être douloureux, mais c'est bon à faire. Et on se grandit, ça c'est dur à faire. Encore 4, recule un peu les bras si vous voulez ouvrir la poitrine. Hein. Encore 3. Serrez, serrez vos abdos au périnée, pensez jusqu'au bout, encore 2. Encore 1. On revient. Main devant, on arrondit le dos, on ne dégaine pas. Et on avance donc les mains le plus loin possible. Ça va étirer niveau hanche, cuisse, dos, mais il ne faut pas que ça fasse mal dans les genoux. Hein. Essayez d'aller plus loin, vous aidez du souffle pour aller plus loin. Et vous pouvez revenir. Ah. Et on va inverser. Eh oui. Aïe, 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 c'est compliqué. Si le tailleur vous gêne trop, vous me dites. Hein. Je vois pas de message, je me dis que c'est bon, mais vous me dites. Dos droit, hein. Vous rappelez, dos droit, hop, je serre un peu plus le périnée, peut-être. Quand on est dos droit, il n'est pas évident à ressentir, mais pourtant il est facile à serrer. C'est mon avis. Il est plus facile à serrer, moi j'ai du mal à le ressentir comme ça. On gaine, aspire périnée, sphincter, bras, main posée au sol ou décoller, paume de main vers l'arrière, poitrine ouverte, nous penchîmes en avant et nous restîmes le dos plus droit, nous allongîmes la colonne. Nous poussîmes un petit peu plus les os des fessiers, les os du bassin dans le sol, pour essayer d'avoir la tête le plus haut possible. Nous auto-grandissâmes. Puis nous reculèrent les bras, mais nous l'étendirent. Nous ne pincîmes pas les omoplates. Encore une respiration, tenez bon. On redresse. On avance avec les mains de rond. Do you really want to make me cry? Avancez un peu plus loin. Le souffle vous aide peut-être à gagner un peu d'amplitude et nous relâchons. Ok, c'est bon ça. On décontracte, hein, alors là ça du tir un peu dans les cuisses et les genoux.
les hanches. Ça va, ça passe. Ça passe. Abdos. Assis. On voit mes pieds. Ouais, pas trop. Ah, hop. Pied flex, comme dirait Sylvie. Jambes tendues. Trop galère, vous pliez les jambes. Si ça passe, tendez. Vous tirez un peu, s'il faut, la peau des fesses en arrière. Vous grandissez, vous avez le dos le plus droit possible, en tout cas ce que vous, vous estimez, votre max, votre maxi. Poitrine ouverte. Plusieurs solutions. Ça, c'est un mouvement de pilates. Souffle, tourne, reviens, inspire. Donc, on tire un coude en arrière en tournant, 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 tournant. Et on revient, on inspire. On alterne les côtés et on souffle quand on recule le coude. Ça, c'est la version de base. Déjà, on affine la taille, on l'essore, puisque quand on va loin, on essaie de quand même essorer la taille. Mais, on peut éventuellement, dos plat, comme dans un transat, dans un relax, essayez d'aller un peu se pencher en arrière, tout, donc je le redis, dos plat. Et souffle. En voilà, en arrière, reste gainé. On doit sentir la contraction, l'effort, la difficulté légère, mais présente. Les jambes tendues, ça vous aidera quand même à faire contrepoint. Hein. Encore deux. Again. Quand c'est bon, hop, ouvrez vos bras. Restez bras tendus sur côté. Vous penchez en arrière si vous pouvez. Vous ne penchez pas en arrière si vous ne pouvez pas. Vous travaillez l'autograndissement dans les deux cas, qu'on soit penché ou vertical. On a les bras qui ne tirent pas en arrière. Hein. Ils sont juste sur le côté pour ajouter de la contraction là sous les aisselles. Encore 4 et à l'arrière des omoplates. Encore 3, grandissez plus, bombez un peu le torse, encore 2, encore 1, on revient, décontractez. Ça va. On gère. On gère. J'espère que vous gérez. Hein. Un peu différent. Vous criez hein, si c'est dur. Hein. Vous ramenez une jambe vers vous, vous l'attrapez ou par l'arrière de cuisse, ou par le tibia, c'est bien aussi. Pas mal. Le dos se redresse. La jambe, l'autre jambe tendue, restera au sol, pied flex. Stand by me. Grandis et lève. Lève la jambe, c'est une question de contrepoids. Je me penche en arrière pour pouvoir lever, mais je me redresse. Je ne fais pas couvrir la poitrine. Je pousse les fesses dans le sol. Je me penche en arrière, plus. Affinité. Et cool, hein? On reste. Et là, je vous laisse le choix. Vous gardez la jambe de terre au sol ou vous la décollez un petit peu. Mais là, ça demande vraiment le périnée qui soit au point. Et qui soit à point aussi. Et je regarde un peu vers le plafond vu que je suis penché, pas en haut, mais en avant et vers le haut, en diagonale. Donc, encore 4, je tiens. Encore 3, ouvrez poitrine, grandissez-vous, encore 2, ne lâchez pas les abdos, encore 1, hop, on relâche. On change de côté. Faut jouer le jeu d'aller en arrière hein, si c'est facile pour vous, et donc de lever cette jambe si c'est toujours facile pour vous. Ok, au niveau, tranquille là, la jambe au sol tendue là, le dos bien droit, poitrine ouverte. Penche en arrière. On voit si on peut rectifier encore plus le dos, resserrer plus le centre du corps. Si on peut, sur un souffle, clac, on lève, jambes de terre. Et on reste. Allez, moi je penche un peu plus en arrière, je tente le coup, mais je redresse mon buste. Là, il faut vraiment être presque en déséquilibre, on est au bout là. Hein. On reculerait le dos, on tomberait. Allez, on tient encore 4. On est bon, là, on est bon. Encore 3. Encore 2. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Encore 1. Reviens.
écartez, placez vos mains très près des fessiers, grandissez, on le fait souvent mais il est important, dos plat, comme si on avait ce fameux bâton dans le dos, on penche en avant, j'entends du pied flex, et on reste. Marilyn va arriver bien sûr à poser son nez par terre, pas parce qu'elle a un long nez, c'est qu'elle est souple. Mais nous, c'est pas le but, le but c'est que ça nous tire dans les adducteurs, qu'on ait le dos bien placé, c'est-à-dire ne pas le pincer. Donc il faut absolument trouver cette mobilité du bassin. Vous le savez, c'est dur, je sais, il y en a qui ont des vertèbres soudées, qui ont des douleurs, qui sont trop raides. Mais on essaye, on fait ce qu'on peut. Allez, grandis encore. Impeccable. Oui, si vous voulez boire avant qu'on passe au sol, vous pouvez boire. Ah, on est bien couché. Ok. Allez, c'est assez simple. Je vous demanderai de bien serrer, bien gainer, tout aspirer niveau abdos. Vous serrez les abdos en profondeur, vous aspirez le nombril, ok. Vous posez votre tête loin des oreilles, et loin des épaules surtout. Jambes au sol pliées, jambes en l'air levées. Vous avez plusieurs solutions. Vous allez laisser tomber cette jambe, enfin laisser tomber. Sans que le bassin bouge, vous laissez tomber vers l'extérieur, puis devant. Puis revient, je manque un peu de place, on dessine un cercle qui est peut-être pas très rond, mais on commence extérieur d'abord, puis avance et revient. Le but c'est que le bassin ne bouge pas. Mobilité de hanche, mais pas de compensation. Si vous êtes à l'aise, levez un peu plus le pied pour peut-être, vous n'êtes pas obligé, hein, le faire jambe tendue. Essayez de le faire, j'ai entendu. Continue. Cherche ta mobilité maxi, là où le bassin est à la limite de décoller. Moi, je mets souvent la main sur la hanche opposée pour voir que ça décolle pas, ça bouge pas. Hein? Encore aux trois. Encore aux deux. Dernier. Hop, avant de changer côté, petite bascule du bassin, tête loin des oreilles, des épaules. Là, je bascule, je roule, je reviens. Puis on repose et on va changer côté. Vous avez compris le principe. Ces jambes pliées, je pars vers l'extérieur. Sans bouger le bassin, je reviens tranquille. Je souffle, j'entame mon cercle. Quand je reviens, j'inspire. Jambes d'appui, pied d'appui, toujours bien dans le sol. Si vous êtes à l'aise, et uniquement si votre bassin ne tourne pas, et que vous n'avez pas de douleur, vous pouvez le faire avec la jambe un peu plus tendue, ou même carrément tendue, si vous y arrivez. N'hésitez pas à mettre vos mains sur vos hanches, l'avant des hanches ou même sur le côté. Vérifiez que ça ne tourne pas. Pensez au pied d'appui aussi qui ne bouge pas. Il travaille mais il ne bouge pas. Et qui bouge mais qui ne travaille pas, ben lui il ne bouge pas mais il travaille. Trois encore. Pour moi, il est plus dur, ce côté est beaucoup plus dur. Encore une. Posez, petite bascule du bassin, petit pont. Vous pouvez le faire les bras en arrière hein, si vous êtes à l'aise. Et puis les pierres, allez-y, faites-vous plaisir. Pour que ça bascule hein, chez vous. Hein. When I'm falling in love.
Reposez votre sacrum, reposez votre bassin, retrouvez votre courbure naturelle du dos, gainez et levez jambes. Ah oui! Là, on est équilibré. C'est déjà pas facile parfois. On est posé sur notre sacrum. On n'a pas trop les jambes sur le ventre, à moins qu'on ait vraiment mal au dos. Jusqu'ici, ça va. Votre but, conserver ce léger creux en bas du dos. Enfin, si vous avez un creux, peut-être que suivant la courbure, vous ne l'avez pas. Ne dégainez pas, au contraire. Et vous allez essayer, bras le long du corps, d'éloigner un petit peu les jambes et vous restez. Clac. C'est-à-dire que ce n'est plus une chaise renversée, c'est que vous savez comme les relax là. Hop, j'avance un peu et je reste. J'accentue pas la cambrure du bas du dos, je dégaine pas. Le ventre gonfle pas. On tire les bras en arrière. Alors, on est d'accord que les jambes, c'est plus dur que d'habitude. Je les ai avancées, mais pas tendues. On tire les bras en arrière si on a pas mal aux épaules. On pousse la tête en arrière. Vas-y, Suzelle, bats-toi, boulègue, fais péter. Encore 4. Tirez sur vos mains. Poussez la tête en arrière. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Hop, reposez les pieds, ramenez les bras, montez le bassin en enroulant votre bassin, vous rentrez fessier, puis vous montez, vous restez en haut. Alors là mon pauvre, bassin fixe, épaules au sol, on n'est pas obligé d'écarter beaucoup les pieds hein, au départ, hein. On lève une jambe. Repose, inspire. Je ne veux pas voir, de toute façon je ne peux pas le voir, de bassin bouger. Souffle l'air. Reviens, inspire. Pareil de l'autre. Allez, encore et toujours. When I see you again. Encore deux. Quand c'est bon pour vous, levez plus, mais rentrez fessier pour lever bassin. On n'est pas en appui sur la tête, on en appuie sur les épaules. On ouvre les bras sur le côté. Ah, qu'on est bien. On pousse les genoux vers l'avant. On essaie de travailler encore une dernière fois l'appui des pieds. Un coup, je décolle les talons. Un coup, je décolle les pointes. Un coup, je décolle les talons. Un coup, je décolle les poings et j'ai cette sensation de rouler sur la voûte plantaire. Oui, mais c'est surtout que ça me cuit les cuisses et les mollets. Bon, ça, c'est normal. Si ça fait trop mal aux cuisses, que ça vous réveille un peu la sciatique, ben, vous baissez le bassin, vous le faites, le bassin posé. C'est possible aussi, d'accord? Travaillez ces sensations des appuis. Encore 4. Affinez votre proprioception. Encore 3, quand je pose mes pieds, je l'étale complètement. Je vais poser mes orteils le plus loin possible. Voilà, encore une fois. Et avec les pieds bien à plat, équilibrés, je repose ma colonne, mon bassin. Allez, facile. On a les jambes en l'air, facile. Chaise renversée, facile. La taille est fine. Et souffle, ouvre, reviens, inspire. Sauf que quand vous ouvrez, essayez d'imaginer, c'est pas évident, que vous avez un élastique entre les genoux et que quand vous ouvrez, ça, on rajoute de la résistance. Parce qu'on y pense, parce qu'on l'a décidé. On se fait un peu plus contracter pardon, l'extérieur de hanche, l'extérieur de cuisse. Encore deux. Le dernier, on va rester jambes écart. Et là, c'est vous qui choisissez. Ou vous gardez les bras sur le côté, vous pouvez même lever les bras, c'est plus dur. Vous les mettez à ras du sol.
ou vous attrapez vos cuisses si vous commencez à avoir des difficultés ou des douleurs. Et là, c'est parti mon kiki. Ne lâchez pas le ventre ni le périnée. On va tendre les deux jambes en soufflant. Pied flex. Magnifique. Et revenez inspirer. See you again. Souffle tend. Replie, inspire. Toujours bien gainé. Yes, c'est bon ça. Continue. 4. 3 si tu peux, on va au bout. 2, on va y arriver. Un petit dernier. Reposez. Petite bascule du bassin pour décontracter. Ah, oh, mamma mia. Ça tire dans les hanches aussi, hein, non? Si? Non? Si? Du coup, hop, roulons à quatre pattes. Quatre pattes un peu spéciales. Ah oui, je le sens bien venir le gainage. Et les oui, on est sur les avant-bras, épaules loin des oreilles. Si vous mettez le poids du corps en avant, vous chargez inutilement vos épaules. Épaules au-dessus des les coudes au, en dessous des épaules, c'est parfait. Tends une jambe. Oh non. Pousse la tête vers l'avant et pousse ce talon vers l'arrière. On fait pareil avec la deuxième. Ouf. Si on ne peut pas, on le fait à genoux. Vous reculez les genoux si vous trouvez que c'est trop facile. Sinon sur les pieds. Courbure naturelle du dos. Vous connaissez, c'est pour ça que je vais un peu vite. Épaules loin des oreilles. Je pousse la tête en avant. J'affine la taille. Je pousse mes talons pour motograndir le buste. Talon d'un côté, tête de l'autre. Allonge, 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 encore 4. Encore 3. Allonge, 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 encore 2. Encore 1. Hop, on étire. Oh, fesse en arrière, on a un genou en prière. On redresse. On se met avec une jambe devant, une jambe derrière, un chevalier servant. Suivant votre souplesse, vous allongerez, vous mettrez le pied avant plus loin, mais vous allez rentrer fessier. On bascule le bassin, on rentre fessier. Allonge le sommet du crâne vers le haut. Normalement, ça devrait tirer le haut de la cuisse arrière. Ne vous sentez pas, c'est qu'il faut vraiment avancer le pied et avancer surtout le bassin. Élève les bras. On lève là où on peut. Et on grandit, on allonge, épaule basse. Attention. On a toujours fait ses rentrées, on veut étirer en profondeur notre psoas entre autres. Mais là, clac, 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 je baisse les bras, clou, 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 je penche mon buste en avant, je suis obligé de sortir un peu fessier du coup. Là, je ne suis plus en étirement psoas, je me penche en avant. Ah, je ne me pose pas sur la cuisse, sinon c'est triché. Je lève le pied arrière, pas dans le but de m'étirer, juste d'enlever un peu d'appui, de travailler en profondeur toujours. Je tire mes bras, mes mains vers l'arrière pour baisser mes épaules et facilement auto-grandir mon buste. Et on tient bon, on allonge colonne vertébrale, tête qui pousse dans un sens, bassin qui pousse dans l'autre, les bras aussi. Encore 4, encore 3, encore 2, encore 1. Relâche, pas fini. Tends la jambe avant. Pied flex. Et toujours en sortant de fessier, main sur les hanches ou sur la cuisse, penchez-vous pour étirer arrière de cuisse et mollet, tout en vous grandissant dos plat.
Merveilleux, nous changeons de côté. D'abord, chevalet servant. Hein? À peu près un angle droit à chaque genou. Si on est plus souple, on avance loin le pied, on abaisse le bassin. Grandis sur tout buste. Rentre fessier. La bascule du bassin. On tire les bras en haut. Et je ne sais pas si vous avez cette sensation de quand je rentre bassin, je rentre fessier, pardon, et je lève bras, c'est contradictoire du côté jambe arrière, au niveau de la taille. On a le bassin qui nous tire un peu la taille vers le bas, et on a les bras qui montent, qui nous fait soulever les côtes, qui surtout nous tire la taille vers le haut. Donc la taille, du coup, s'étire un peu côté jambe arrière. Plus le psoas, le haut de la cuisse, plus le dos par les bras qui montent. C'est la fête au village, je vous le dis. On n'aura pas de fête de village cette année. Je sais pas. La fête de l'âne, comment on va faire? Allez, grandis, allonge. On garde la grandeur du buste, bras le long du corps, poitrine ouverte. Penche en avant, on n'est plus en fesse rentrée, en rétroversion, on est en antéversion. Sortez fessiers, penchez buste, vous appuyez. Essayez de ne pas vous appuyer sur votre cuisse avant, hein, si vous pouvez. Je n'ai pas envoyé le poids en avant, je me suis juste penché à partir des hanches. Et on lève le pied arrière si on peut, juste pour contracter plus arrière de cuisse. Colonne vertébrale. L'autograndissement, c'est la base de tout. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez rester des heures comme ça. Fin du souffle, redressez, tendez jambes avant. Ah, pied flex, jambes avant dans l'axe, on ne l'écarte pas trop. On pourrait, mais là non. Penche, fessier, sorti. Hop, poitrine ouverte. Et vous pouvez relâcher. Allez, une petite prière pour détendre encore un peu le dos. Aidez-vous du souffle toujours pour étirer. Et vous ramenez vos mains ici, clac clac, vous poussez, vous retournez vos orteils, vous poussez pour mettre du poids sur les pieds. On essaie de remonter, mains sur les cuisses, déroule le dos tranquille, en soufflant, remonte la tête en dernier. On redresse ensuite et on donne des infos à la colonne, l'info de se redresser, de remettre de la hauteur. Donc on allonge colonne vertébrale. Tête est bien haute. On s'équilibre, un bras tendu, on plie l'autre pour prendre son pied, cuisse serrée, le dos bien droit. Changer. Qu'est-ce qu'on prend son pied? Revenez. Asseyez-vous bien sur vos jambes, arrondissez le dos en rentrant sur tout bassin, parce que ça a beaucoup travaillé là. Sur la fin, on a beaucoup travaillé bas du dos.
Tirez les bras vers l'avant, mais ne montez pas les épaules, c'est inutile de stresser le trapèze. Grandissez. Re-arrondissez. Épaules basses. Redressez. Relâchez. Détendez vos trapèzes et vos muscles du cou. Tournez tête dans un sens. Change de sens. Hop, inspire, ouvre. Souffle arrondi. Encore, inspire, ouvre. Souffle arrondi. Encore une. Et restez ouvert. Penchez. Arrondissez beaucoup, hein, c'est ça le but. Changez. Revenez et inspirez, levez, tirez haut, hein. Soufflez, lâchez, encore, montez haut, hein. Montez haut, soufflez, lâchez, encore deux fois, allez, grandissez, ouvrez votre cage, allongez votre colonne une dernière fois et relâchez, ok, parfait, et ben voilà, super, et ben voyez, on est arrivé, on arrive à continuer quand même ces cours. Donc j'espère que ça s'est bien passé comme d'habitude. Que ça vous a quand même apporté quelque chose. Entretenu un petit peu et voilà, c'est ça le secret. Tous les jours faire un petit peu ou au moins, même si ce n'est pas des cours, c'est quand même un peu des exercices chez vous. Ou des petits trucs comme ça, des petits gainages, des étirements faciles là de temps en temps quand ça commence à tirer. Il ne faut pas que le corps s'enraidisse, hein, faut de la mobilité. Voilà, j'espère que ça va. On vous tient au courant toujours de l'évolution. Bon, vous savez que là, on fait les cours en vrai quand il ne pleut pas. Donc, n'hésitez pas à vous noter sur le planning. Quand vous voulez vous venir, vous me dites. Enfin, vous notez sur le planning. Vous me dites quel jour vous voulez venir. Voilà. Vous savez qu'on a trouvé un endroit pour faire des cours à l'ombre. Pour l'instant, on le fait le soir. Mais si on voit que le matin, il y a de la demande, autant on ira. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Passez une bonne journée. Ce soir, il y a du yoga sur le groupe. 5h30. Si, Nathalie a beaucoup changé d'horaire, mais normalement, c'est 5h30. Ce n'est pas un cours entier, c'est juste une petite portion, juste une routine et une méditation. Donc voilà, merci encore et je vous dis à bientôt. Demain matin, il y a Iso Stretch. Voilà. Ou ça sera en live sur le parking. C'est mal barré, je crois. Ou ça sera en live dans la véranda. Voilà. Allez, je vous dis à plus, à demain 9h si vous êtes là, sinon à bientôt. Ciao, ciao.